Ici du côté de l'intérieur avec les frères et les sœurs. Et du côté en ce qui concerne les réunions, comme les frères aussi l'ont si bien dit, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 26, chacun de vous aussi a un sujet de prière, une exhortation, un cantique, que donne pour l'édification en fait. Et ce qui me concerne moi, lorsque je suis arrivé aussi au lycée Zion, j'ai trouvé l'œuvre que j'avais déjà aussi commencé. Il y avait des frères qui étaient là avant moi, il y avait des grands frères qui étaient là. Et ces grands frères, ils ont bossé jusqu'à ce qu'ils ont pu gagner leur bac et ils sont partis. Et notamment lorsqu'ils étaient là, on a rencontré aussi beaucoup d'opposition. Notamment l'ancien proviseur qui était là, et aujourd'hui il n'est plus là. Il s'opposait vraiment à la prédication de l'évangile dans les salles de classe. Mais il y a particulièrement, les grands frères nous encourageaient toujours à approcher l'évangile en fait. On nous poussait à approcher l'évangile. Et lorsqu'ils sont partis, on se réunissait d'abord hors du lycée dans la concession de l'Alliance chrétienne. Lorsqu'ils sont partis, on a eu vraiment des soucis en fait. Et on ne se réunit plus dans cette concession, on se réunit maintenant à l'intérieur du lycée. Et à l'intérieur du lycée, on se réunit sur un bâtiment de terminal. Et malgré le lieu, en fait, lorsqu'on se réunit, le Seigneur nous encourage, voilà, il nous encourage, il nous parle, il nous restaure, il nous fortifie, voilà. Et en ce qui concerne la prédication de l'évangile, voilà, cette année, on a pris un temps pour aller dans les salles de classe pour prêcher l'évangile, notamment au CS. Et on est allé, on a prêché l'évangile, notamment des jeunes des classes de 6e étaient vraiment disposés à l'évangile. Lorsqu'on parlait de Naruto, de toutes ces choses, ils étaient vraiment touchés, c'était compliqué en fait, ils étaient vraiment dépassés. De leur, de la manière dont les cœurs étaient disposés en fait, dans ces classes de 6e. On rencontre beaucoup de personnes qui s'opposent aussi à l'évangile, qui résonnent, mais en fait on continue en fait. Voilà, donc c'est un peu ça, peut-être long, ce qui concerne le lycée des Zion. Amen.